la distribution de granulés de bois en vrac se fait habituellement avec des camions-citernes équipés d'une soufflerie. Ces outils logistiques représentent un investissement important. Pour les distributeurs qui démarrent dans la livraison de pellets, Transmanute propose depuis de nombreuses années une solution pour les petits volumes, le souffleur autonome. D'un encombrement de 2,30 m par 80 cm et d'un poids de 600 kg, le souffleur peut être facilement embarqué sur un porteur avec le chargement de granulés conditionnés en big bag. Cette solution nécessite que le camion soit équipé d'une grue. Nous recevons donc nos granulés en big bag d'une tonne ou une tonne 100 selon la provenance, ce qui permet d'avoir des granulés qui sont moins brassés, donc beaucoup moins de poussière. Nous mettons 6 big bags d'une tonne ou d'une tonne 100 sur le porteur. Nous distribuons les granulés autour de chez nous jusqu'à environ 100 km. Pour décharger un big bag, il faut en moyenne un quart d'heure à 20 minutes, suivant la distance et suivant la capacité du silo. La mise en route et les réglages sont simples. Il suffit d'éviter de faire monter les silos en pression. On a un manomètre qui nous permet de réguler la pression en sortie de bouche du souffleur. Pour éviter la poussière dans les silos des clients, nous avons un aspirateur qui se branche en complément sur le silo et qui aspire toutes les poussières qui sont en suspension dans le silo. Nous effectuons environ 4 voire 5 clients sur une moyenne de 12 à 14 tonnes jour. L'avantage de ce système de souffleur autonome, c'est que étant donné qu'on voit le granulé descendre du Big Bang, nous pouvons visuellement s'apercevoir s'il y a des défauts dans la production du granulé. Tout comme les camions-citernes, le souffleur autonome peut transporter les granulés à une distance de 25 mètres. Transmanute, votre spécialiste de la logistique du bois énergie.